Coucou à tous, c'est Amivi. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire un teint lumineux et naturel, assez shiny. Voici les explications. Je vais faire un maquillage sans fond de teint, donc je commence tout de suite par appliquer mon anti-cerne qui est deux teintes plus claires que la couleur de ma peau. Je l'applique avec une petite éponge au niveau du dessous de mon œil et du haut de ma pommette et sur toute ma paupière mobile. Je corrige mes petites imperfections avec un anti-cerne et un pinceau. Ensuite, j'applique une poudre compacte assez couvrante sur l'ensemble de mon visage en évitant les zones où j'ai mis de l'anti-cerne. Ensuite, j'applique une poudre libre sur mon anti-cerne. C'est une poudre qui est beaucoup plus légère et translucide. J'applique un highlighter liquide que je mets directement avec le doigt en tapotant légèrement. Et ensuite, j'applique cet highlighter compact pour un effet encore plus shiny. Et ensuite, j'applique ce même highlighter au niveau du cœur de mes lèvres, appelé arc de Cupidon, au niveau du menton et au niveau de l'arête de mon nez. Et pour cela, j'utilise un pinceau blender qui va être beaucoup plus précis pour l'application de l'highlighter. Pour donner un effet frais et bonne mine, j'applique un blush rosé irisé sur mes pommettes. Ensuite, on continue avec les yeux et j'applique un fard à paupières très joli saumon nacré irisé sur l'ensemble de ma paupière mobile avec un pinceau plat et je le dégrade avec un pinceau blender. Puis j'applique avec un petit pinceau pointu un fard beige nacré dans le coin interne de mon œil pour donner vraiment de la luminosité à mon regard. Je finis le maquillage des yeux en appliquant un mascara pour intensifier mon regard. Et n'oubliez pas, un maquillage naturel et lumineux ne veut pas dire ne pas faire ses sourcils. Et pour cela, j'utilise un pinceau biseauté avec un fard à paupières marron mat pour dessiner mes sourcils. Et pour un rendu naturel, je brosse la tête de mes sourcils pour vraiment avoir un effet fondu. Et je termine ce maquillage avec un rouge à lèvres nude assez brillant pour redonner un peu de pep. Donc voilà, le maquillage naturel et lumineux est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à varier selon vos envies au niveau des couleurs. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Duel. Ciao, ciao !